Et yop tout le monde, c'est Miss, comment allez-vous? Pour ma part, ça va super bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve enfin pour une nouvelle vidéo. Donc c'est une vidéo assez spéciale, car c'est une vidéo en fait un peu pour parler de ma chaîne. Je pense que c'est bien d'en faire assez souvent. Donc c'est parti, on va tout de suite aborder le premier sujet. Donc tout simplement, le premier sujet qui sera tout simplement mon changement de skin que vous pouvez voir normalement sur ma bannière et mon logo. Je voudrais juste en fait avoir des avis en fait par rapport à celui-ci. Du coup, dites-moi en commentaire si vous l'aimez bien ou si vous l'aimez pas. Mais si vous ne l'aimez pas, argumentez. Dites pourquoi vous l'aimez pas en fait. Ne dites pas juste voilà je l'aime pas, argumenter, parce que c'est assez important d'argumenter. Donc vous allez me demander pourquoi tu as changé de skin. C'est très simple en fait, c'est juste parce que mon ancien skin me lassait, j'avais envie d'un peu de changement. Je pense que vous pouvez comprendre, je le trouvais pas si bien que ça, et du coup dans ma tête je me suis dit bah je vais essayer de faire un skin, s'il me plaît bah tant mieux je le mettrai, mais s'il me plaît pas tant pis je garde l'ancien. Enfin je pense que vous pouvez comprendre. Du coup dites-moi vraiment en commentaire ce que vous en pensez, parce que votre avis, j'y tiens beaucoup. Franchement, j'y tiens vraiment beaucoup. Du coup, voilà, franchement, dites-moi en commentaire. Donc voilà, du coup, ça c'était juste un petit sujet assez rapide. Enfin, je me rends compte que je viens d'oublier un truc, c'est justement parce que j'ai changé de skin. S'il y en a qui veulent me faire des fanarts ou encore des dessins, ça me ferait juste super plaisir. Parce que du coup, tout était avec mon ancien skin et du coup, je peux pas... Enfin, j'ai plus de fanarts, j'ai plus de dessins, du coup, ça me fout un peu le seum. Du coup, je mettrai sûrement mon skin sous téléchargement. Sous Mediafire dans la description. Du coup voilà, si vous me faites un dessin, encore un fanart, ça me fera super plaisir. Donc voilà, ça c'était une petite parenthèse. Donc on passe tout de suite au sujet 2, qui est tout simplement un point, une mise au point sur les réseaux sociaux, enfin plutôt un rappel. Donc tout simplement je vais vous les énoncer. De toute façon, si vous voulez vraiment les liens, je mettrai tout dans la description. Franchement c'est hyper important d'aller voir la description les gens. Allez voir, c'est très 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 important. Donc tout simplement, alors en premier déjà il y a Twitter, donc avec le @missive791, Instagram. Donc oui je me suis créé un Instagram, du coup il est tout nouveau, n'hésitez vraiment pas à aller me follow, ça me ferait vraiment très plaisir. Alors avec missive791 il me semble, Facebook c'est le /missive7940. Vous pouvez aussi aller sur Twitch, du coup me follow sur Twitch pour être au courant pour mes lives. Donc missive7911 il me semble. On a aussi donc Snapchat, du coup missive79, et je crois que le dernier c'est simplement Skype, enfin c'est pas trop un réseau social mais je vous le dis quand même, c'est simplement Athènes127. Du coup vraiment allez me follow sur les réseaux sociaux, ça serait juste super. Donc franchement ma page Facebook, je me suis rendu compte qu'il n'y a pas tellement de monde en fait, je pense pas que vous êtes vraiment au courant parce que j'en parle pas vraiment beaucoup de la page Facebook, mais allez la liker, c'est aussi important parce que je mets quand même des informations et tout ça, je communique un peu avec vous dessus, du coup n'hésitez pas à aller la liker tout simplement. Du coup, de toute façon, le lien est dans la description. Allez la liker. Donc après, donc voilà, c'était vraiment une, ça c'était vraiment une mise au point pour les réseaux sociaux. Parce que ça faisait longtemps que j'avais pensé à la faire, mais j'avais pas trop trouvé une vidéo dans laquelle à faire. C'est pour ça que j'ai attendu qu'il y ait beaucoup de sujets, en fait. Enfin, des sujets à dire pour la mettre dans une vidéo. Donc on va tout de suite du coup attaquer un autre sujet qui est tout simplement la raison de mon inactivité sur YouTube. Donc tout simplement... j'ai été inactif pendant 3 semaines, ouais. Du coup je m'en excuse vraiment de ne pas avoir sorti de vidéo pendant 3 semaines, mais on va dire que j'ai vraiment mes raisons que je pense que vous pouvez comprendre. Donc la première, donc en une première partie, c'était un peu un manque d'envie. Je suis pas une machine, donc j'avais pas tout le temps envie de faire des vidéos, j'avais besoin quand même d'une pause. Donc il y a ça en premier. Après donc il y a tout simplement le fait que quand j'essayais de rec, on va dire que directement il y avait soit des ramasse-miettes, soit j'avais pas de stuff et on me tuait directement. Tous ces genres de trucs, on va dire, ça me dégoûtait un peu. Après je pense que vous pouvez comprendre. Et simplement en dernier, ça a été le plus gros des problèmes. C'est simplement un gros bug. Je pense que ça vient de Windows 10, hein, je sais pas du tout. Mais j'ai eu des bugs logiciels simplement avec Fraps. Donc Fraps, c'est pas celui que j'enregistre à la base, hein. Mais c'est juste que, parce qu'en fait à la base j'ai eu un problème avec Action. Donc en gros quand je faisais une vidéo, il y avait des gros lags, mais j'ai bidouillé Action et je crois que maintenant ça refonctionne. Et Fraps en fait, quand j'essayais de rec, ça mettait un écran noir. Donc de toute façon si ça continue à bugger, je verrai pour passer sous un autre truc, comme je sais pas, OBS ou un truc à la con. Parce que oui, OBS, voilà, on peut rec avec OBS. Et un ami m'a dit, dédicace à The Patate, que lui, qu'il avait essayé, que c'était très très bien. Du coup pourquoi pas. Et du coup voilà, c'est un peu la cause de mon inactivité. Je pense que vous pouvez comprendre. Donc ça va déjà être la fin de cette petite vidéo. Du coup c'était vraiment une vidéo très courte. Vraiment pour... parce que j'avais besoin de vous parler en fait. Tout simplement de tout ça. C'était des sujets
assez important. Et surtout, ne vous inquiétez pas, les vidéos vont tout simplement revenir. Et je tiens tout d'abord aussi, ça c'est important, j'y allais oublier alors que c'est hyper important, à vous remercier pour les 2800 abonnés. C'est juste un truc de ouf, merci, on atteint vraiment les 3000 abonnés. Et c'est pour ça que je vous lance vraiment un défi. Donc voilà, un vrai défi, donc tout simplement, qui serait d'atteindre les 3000 abonnés avant mon anniversaire, donc mon anniversaire qui est le 24 août. Du coup, c'est vraiment un défi, si on pouvait les atteindre, ça me ferait vraiment un super cadeau d'anniversaire. Du coup, les gens, je compte sur vous, ça me ferait vraiment très 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 plaisir. Du coup, sur ce, ça va être la fin donc, de cette petite vidéo. Du coup, n'hésitez pas à partager un maximum ma chaîne pour qu'on atteigne l'objectif des 3000 abonnés avant le 24 août. N'hésite pas à liker cette vidéo si ça fera très très plaisir, à partager, bon, voilà j'ai déjà dit mais bon c'est pas grave, à commenter donc pour dire ce que tu penses de mon nouveau skin, ou encore à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Donc sur ce, je vous aime les petites licornes, bisous.